Allez, c'est Nancy qui engage. Alors, il y a plus que le numéro 6. Voilà, qui est ramassé par les... Le 2, ramassé par Lydie. Allez, c'est le premier tir de Lydie, le numéro 2, et ça va par ici, on fera pas de l'île. Allez, et c'est Marie qui va jouer pour le ballon, pardon, c'est Marie qui aura le ballon en jeu pour Nancy Pépéo. Bien circulé, il arrive dans les mains de Lydie. Lydie pour Marie. Marie qui se fait pousser. Elle aussi a laissé le ballon sur le terrain. Ah. Donc, le ballon à jeu. Elle vient de Pierre. Il est aussi passé à Lydie. Lydie qui revient dans le centre, Lydie qui revient dans le centre, Martinez va dans les joueurs. Le joueur de ce jeu de Lydie, ça n'est pas vrai. Allez, c'est Marie qui repart dans son temps avec Juliette. Une nouvelle tentative de Nancy avec Lydie. Allez, ramassage Côte-de-Ville. Allez, on va à Côte-de-Ville. Oula, c'est parti vite, c'est parti vite. Le ballon, elle contourne la défense, Estelle. Non, c'est pas Estelle, c'est Louise, pardon. Après le 1 et le 7, c'est un petit peu compliqué de voir ici. Allez, ballon récupéré par un pour côté va passer, Lydie. Allez, est en jeu. Thank you.
récupéré par Lévi Morancy, à passer, Hélène. Juliette. Et allez, attaque française maintenant, avec les deux, on change de côté, passe, oui, jolie passe, elle est déjà trop engagée, Marie ne peut pas faire autre chose que déjà récupérer le ballon à aller conserver, ce qui est déjà pas si mal. Voilà, c'est là pour cette fois, peut-être maintenant. Et cette fois, elle est bien placée, Lily, bravo. Et 20 minutes de jeu dans cette deuxième période, dans cette rencontre. Allez, remise en jeu avec remise en jeu par l'équipe de Hauteville. On a le ballon. Alors, allez bien du marqué. Voilà, c'est dommage. On va faire la pénaille. Pousser dehors, mais nous réussit à conserver son ballon avec assez d'intervention. Isolé la cour. De l'autre qui n'a pas pu faire son appel de ballon de balance, qui était pas autorisé, au là, du temps de 10 secondes. Voilà. Et là, sans problème, c'est. Il y avait cette remise en jeu. C'est côté lancéen, ramassé par Juliette, pour Nancy. Allez, Hélène. Passe devant, mais elle n'avait pas vu Lily. Allez, le ballon a été récupéré par cette équipe de Nancy. Elle a été récupérée par Lily, voilà, il est tombé dans la main. Toujours à égalité, l'occasion peut-être pour se départager. Oula, c'est bien parti. Et c'est validé pour la 2, l'autre ville. Allez, remise en jeu, Marie pour Nancy. On va récupérer par Lily, validé, Marie. Passé dans les mains d'Hélène, il revient dans les mains d'Hélène. Et tire l'arc. Allez, le ballon est pour Nancy. Nancy, il est toujours à l'entrée. Égalité, 5 partout. 3 minutes 30 de jeu encore. Le ballon dans les mains d'Hélène, et la numéro 6 qui passe au centre. On passe devant dans sa coéquipière. Et c'est Marie qui. Alors, elles ont réussi à remonter. Voilà, balle interceptée par Ville avec Eva. Lise. Une nouvelle attaque de l'Hauteville, et là. Oui, je vais très vite. Voilà. J'ai piqué le ballon par elle. Ça y est, le chrono est reparti pour 2 minutes 20 secondes de jeu. Le ballon est bleu, le ballon est lancéen. Le ballon dans les mains de Marie. Qui tire. Alors, est-ce que le ballon a été récupéré? Il est remis en jeu par l'équipe de Hauteville. Il nous reste 1 minute et 30 secondes de jeu, 1 minute 30. Allez, nous allons tenter de jouer. Il a tout petit point à remonter. Le ballon est bleu, le ballon est lancéen, le ballon est lancéen. Par la défense normande dans le coin gauche, dernière minute, on attaque la dernière minute de jeu.
passage rose, passage Hauteville. Allez, il y a un petit peu de retard, il faut attendre, il va compétitionner, il va donner cette attaque. Il va passer. Il va passer, oui, ça. Temps mort. Nancy pour 26 secondes. Allons bosser dans le temps d'ancien. On va dire par message encore ici, il va y aller dans le stade. Alors, un ballon perdu. Voilà, c'est finalement par Lily pour Nancy. Il a passé. Il arrive à l'éteindre la lumière. Sandra, Sandra touche le ballon. Bien vu, de Marie. Et bon, on va s'arrêter là-dessus, sur le score de 8 à 6. Bravo à ces deux équipes, on est aussi prêts à discuter. Mais...